Vous envisagez d'adopter un Whippet ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette race de chien. Origine. D'origine britannique, le Whippet est issu du croisement entre un lévrier et un chien de type terrier. Ce croisement a donné naissance à l'un des chiens les plus rapides qui existent aujourd'hui, car il peut courir jusqu'à 60 km par heure en quelques secondes à peine. Ces chiens étaient utilisés comme chiens de course et chiens de chasse pour les lièvres et les lapins. Aujourd'hui, ces activités ne sont plus courantes et les Whippets de compagnie sont de plus en plus nombreux à profiter d'une vie placide sans avoir à travailler. Caractéristiques. Quant à ses caractéristiques, il s'agit d'un chien fort, résistant, avec une très bonne prédisposition à l'activité physique. La tête du Whippet est longue, fine et aplatie au sommet. Elle s'effile vers le museau, qui est également long et fin. Ses yeux sont ovales, brillants et d'une expression très vive. Ses oreilles sont petites et en forme de rose et ont une texture fine. En revanche, son cou est long et musclé et son dos est large, ferme et un petit peu plus long. Sa poitrine est profonde et son poitrail est bas et bien défini et il se prolonge avec un ventre serré. Enfin, son poil est fin, court et serré et il peut être de n'importe quelle couleur. La taille du Whippet varie entre les mâles et les femelles. Les mâles mesurent de 47 à 51 cm alors que la hauteur au garrot des chiennes varie de 44 à 47 cm. Le poids n'est pas indiqué dans le standard de la race FCI mais il se situe généralement entre 9 et 20 kg. Caractère. Le Whippet a un caractère calme, doux, tendre et sensible. Ils peuvent être réservés avec les étrangers. Il est donc conseillé de les socialiser dès leur plus jeune âge afin d'éviter les problèmes de timidité à l'âge adulte. Ces chiens ont tendance à bien s'entendre avec les enfants plus âgés. Ce ne sont pas des chiens qui aiment les jeux brutaux et ne sont donc pas les meilleurs animaux de compagnie pour les jeunes enfants. Dans la vidéo suivante, on vous présente les meilleures races de chiens pour vivre avec des enfants. Il n'est pas facile de garder un Whippet avec un autre animal de petite taille car ces chiens ont un fort instinct de chasse et ils auront tendance à chasser et à attraper tous les petits animaux qui se trouvent autour d'eux. Toutefois, ils ont tendance à bien s'entendre avec les autres chiens. S'occuper d'un Whippet. En raison de leur peau fine et de leur pelage court, ces chiens sont très sensibles au froid et quand il fait froid, il faut leur mettre des vêtements pour les protéger. En ce qui concerne leur alimentation, ils ont un métabolisme rapide, ce qui veut dire qu'ils doivent manger moins, mais plusieurs fois par jour. En revanche, ils peuvent s'adapter à la vie en appartement, mais ils ont besoin de faire beaucoup d'exercices. Avec environ 3 promenades par jour durant lesquelles vous le laissez courir, votre Whippet sera vraiment heureux. Enfin, vous devez garder à l'esprit qu'en raison de la qualité de leur poil, vous devez utiliser un peigne doux et des produits sans composants agressifs. Éducation. Le Whippet est un chien timide, mais il interagira sans problème avec d'autres chiens s'il est bien socialisé dès son plus jeune âge. Pour ce faire, il faudra régulièrement le mettre en contact avec d'autres chiens, chats et animaux de compagnie, ainsi qu'avec des personnes et des objets de toutes sortes. Comme tout autre chien, le Whippet doit apprendre les ordres de base qui lui assureront d'être en sécurité où qu'il soit. Cela lui permettra d'être heureux et d'avoir une relation équilibrée avec vous. Santé. Les Whippets ont une durée de vie moyenne comprise entre 12 et 15 ans, mais ils peuvent être sujets à certaines affections relativement courantes de la race. Ainsi, ils peuvent souffrir de cataractes, de problèmes cardiaques, d'atrophie progressive de la rétine, de problèmes thyroïdiens et d'hypersensibilité aux produits chimiques et aux médicaments. En outre, ils ont une peau très fine qui peut être facilement blessée. En respectant le calendrier de vaccination du chien et en l'amenant chez le véto tous les 6 mois, vous arriverez à prévenir de nombreux problèmes de santé. Si vous voulez connaître d'autres races de chiens et leurs caractéristiques, c'est par ici. Et vous, vous allez adopter un Whippet ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.